des jouets, on a ce jeu, donc qui s'y frotte, s'y pique. Donc c'est pour les plus de 4 ans, il est à 19,95 €. On a des fauteuils gonflants. Fauteuil gonflant Avenger à 2,99 €. Bah, des pâtes à modeler, hein, Play-Doh. Alors, il y a 20 couleurs à 19,99 €. On a des Playmobil, 7,99 €. Ah, on a la bonne paye. Alors, la bonne paye. Mais qui paiera la facture? Il est à 19,99 €. Et juste à côté, on a le qui est-ce. Alors, qui est-ce? Il est à 16,99 €. Alors, on a un circuit. Color Splash, labo de changement de couleur, Hot Wheels à 29,99 €. On a les véhicules, un lot de 5 voitures Hot Wheels, 9,99 €. On a Dark Vador. Il est à 19,99 €. Donc on en a pas mal. Ah, on a une housse de couette Dark Vador. Star Wars plutôt. Housse de couette réversible. Donc on a d'un côté comme ça, sinon comme ça. Et elle est à 9,99 € et c'est pour une place. Donc c'est 140 par 200. Les nerfs sont à... Les pistolets nerfs sont à 9,99 € avec 12 tiges. Donc 9,99 €. Ensuite, on a les doubles à 19,99 €. Ensuite, on a les petits modèles. Pistolet double canon avec 4 petites fléchettes là à 6,99 €. Alors, bourricot, le jeu bourricot, le montage nécessaire nécessite l'aide d'un adulte à 19,99 €. On a les Power Rangers, 9,99 €. Qui est qui? Donc, qui est-ce? Mais c'est une autre marque à 9 €. Ariel, 9,99 €. Ah, il y a pas mal de choses hein, pour les jouets. 12,99 € Playmobil. Spider-Man. Et ça, c'est quoi? C'est un hélicoptère. Et son avion à 21,99 €. Après, on a des poupées, donc Baby Alive 15,99 €. On a des coffrets La Reine des Neiges, les figurines 12,99 €. Là, on a Olaf. Là, on a quoi? Ah oui,
Donc en fait, c'est un kit créatif. Donc on a une princesse, donc c'est une tirelire. Donc on a la princesse et ensuite c'est à l'enfant de repeindre le modèle. Et il est à 11,99€. Pareil pour les modèles La Reine des Neiges. Donc on a Olaf à repeindre. On a Elsa. Voilà. Là on a une promotion sur les peluches. Donc c'est les deux pour 20€. Non, fais pas de bruit. Donc alors, soit on a les lapins ou soit on a les licornes. On a des Mickey Mini à 14,99€. C'est des peluches d'éveil. Et on a là Mathieu le paresseux Fisher Price. Orange, bleu, rouge et vert. Ok. Alors ils sont à 31,99€ le Fisher Price. Là on a les. Ah. Bon, là on a les tenues La Reine des Neiges à 12,99€. Et la baguette magique La Reine des Neiges est à 19,99€. On a un flipper Spider-Man à 14,99€. Spider-Man. C'est un flipper. Les poupées. 14,99€. Et coiffier, donc c'est la cuisine, 11,99€. Là on a une caisse enregistreuse. Une caisse enregistreuse ou alors le panier et c'est les deux pour 20€. Sinon la caisse enregistreuse est à 14,99€. Et le chariot 12,99€. Ça, les petits jeux d'éveil pour enfants. Jeux pop-up 12,99€. Ah, là c'est le coffret archéologue. Donc 4 en 1, creuser et découvrir. Outils d'excavation, donc pépites d'or, pierres précieuses, artefacts d'Égypte ou creuser et découvrir le T-Rex. Et en fait, c'est 12,99€. Le robot télécommandé, 13,99€ également. Le chien robot. Droïde. Là on a Play-Doh, on a une machine à pop-corn à 14,99€. Donc voilà. Là on a un super grand mais grosse palette. Donc pour créer des colliers à 6,52€. Ensuite là on a une machine à slime, elle est à 9,99€, c'est l'écras dingue, machine à slime, crée ton propre slime et remplis ta figurine avec, donc c'est pour les plus de 5 ans et c'est à 9,99€ au lieu de 14,99€. Là on a une petite poupée famille cheval. Donc on a deux petites poupées type Barbie et deux chevaux. Et le tout c'est 15,99€.
Donc voilà, j'ai fait, je pense, le tour des jouets. Sable scintillant et perles, Meltoun, princesse.